Cri semence. C'est là que vous venez. N'y a-t-il pas de place pour les ovules ploufs de ce monde? Une paraphrase du célèbre cri de l'homme blessé d'Ovid Plouf, dans le film Les Ploufs. Écoute donc, je pars-tu comme ça, moi? Oh. En ce temps de mort, en guirlande languissante, salut, monsieur Jacques Enguerrand, guide de mes jadis, je crie semence, crissement, cimaise de tableau bordel. Je crie dommage envers ta fille sacrifiée, câlin d'armes à toi, femme blessée, tuée, victime de la pulsion ambiguë. Crissement de dents. De dents, c'est jouir d'Adam pire. Merci cependant pour tes éclairages semences. Rage contre tes semences désordre. Dommage. Dommage. La vie est l'œuvre. La mort est le désœuvrement. Les sacrifices humains, les cérémonies et les hégémonies démoniaques. Les horreurs de la guerre de délivrance et les victimes corps latérales. Quant à moi, je n'ai pas de réponse. N'ayant pas baigné dans ces mentalités d'appuyer ses réussites sur l'âme de quiconque, je ne suis qu'un petit homme qui a observé trop souvent et a refusé d'agir par crainte d'écraser. Mes précautions m'ont-elles nui? Sûrement. J'en ai assumé l'ambiguïté, cette dichotomie paralysante qui me voit m'approcher de la fin, envahie par certains cancers du corps. L'âme, elle, me semble allumée. Mon travail de tous les jours. Depuis une certaine conscience des karmas venue de ce communicateur, entre autres. J'aime la vie et merci à ceux et celles qui m'ont guidé. Merci à certains grands hommes et grandes femmes. Merci Jacques, tu as changé ma vie au bon moment. La fin de mon année financière d'artiste à sec, quasiment. La fin justesse y fit-elle mes moyens qui me quittent. La dentée fine entière, elle s'en crisse, elle coupée. Cime tierce, du but de buse buste. Et genre, tiers de quart de tour. Fin, tu me tires les vers de naissance. Toi, l'année d'ânesse. C'est sûr que je parle des corps qui crient, immense, éminemment demandant, en biens à combler. Corps en dynamo énergétique à mettre en œuvre. Le sexe. Bête noire de tant de religions. Le corps, ce véhicule, objet et sujet à la fois. Je n'y vois aucune dichotomie. Et le sexe des anges? Elle? Ce vaste sujet du libre jouir des incarnés, du libre arbitre, de l'expression libre de tout un chacune en son corps, miroir de l'âme? Moi, rire de l'âne, mirador adoré. Dis-moi, qui a le pied beau, le galbe banane cultivé, les nerfs à bout d'honnête venu? Je n'apporte pas de solution. J'ai questionné, car l'époque le commande. Je nous aime. Bisous virtuels, car les vrais sont suspects devenus. Trouvons la voie de chacune, chacun, en nuisant le plus possible. Ben, c'est comme si je vais vous bénir. Je veillerai sur vous. Je vieillis surtout. Je n'irai pas pisser sur vos tombes. Car la science de ma vie a été de cultiver le regard cru, le regard ambigu, qui a fait et fait toujours peur aux gens de pouvoir, les religieux, les d'affaires, et à celles et ceux qui ont peur. Moi, j'ai peur de la peur, car elle tue l'humain. Vive, vivons, au-delà et par-dessus tout. Amen.